Il apprend son propre décès dans une lettre de l'assurance maladie. Ah, voyons ça, nous sommes au regret de vous annoncer votre décès au 15 août 2024. Oh mince, je suis morte. C'est pourquoi nous vous demandons de clôturer votre compte au plus vite afin de stopper les paiements. Mais oui, c'est bien normal, je le fais tout de suite. Ça, je serai pas seulement morte, je serai aussi dans la merde. Déçu par la photo de son avis de recherche, il envoie un selfie à la police. Oui, bonjour. C'est un peu particulier, mais je viens de tomber sur mon avis de recherche, là. Oui. Et la photo, elle est horrible. C'est ça, donc je sais pas si vous connaissez un peu les droits à l'image, tout ça. Mais je vais vous en envoyer une beaucoup plus belle. Quoi, un shooting photo? Ah bah oui, oui, ce serait l'idée. Allez, 18h à la rotonde. Mais vous m'arrêtez pas, hein. Un robot employé dans une mairie de Corée du Sud se suicide. Une enquête est ouverte. Madame, j'ai une méningite bactérienne. Oh, vous nous faites chier les humains avec vos petits problèmes. Qu'est-ce que vous faites, Cantou? Je veux en finir. Ah non, surtout pas. Si c'est pour l'histoire du bureau dans le placard à balai, on peut s'arranger. J'étais justement en train de vous commander un distributeur de clous. Adieu. Non! Quel gâchis! À peine 10% d'amortissement! Une employée de banque, accusée d'avoir détourné plus de 300 000 euros, dit l'avoir fait par empathie. Et donc vous preniez l'argent sur les comptes remplis pour les virer sur les comptes à découvert? Oui, c'est un peu ça. Il me faisait tellement mal au cœur. Mais vous vous êtes aussi servi pour reboucher vos propres découverts? Oui, c'est un peu ça. Mais je me faisais tellement mal au cœur. Masterchef, en Espagne, la dégustation du menu tourne à l'intoxication alimentaire. Et voici mes lasagnes d'escargot au jus d'huître mariné dans son coulis de tripe de camp. Non, allez-y, je vous prie. Les femmes d'abord. Non, merci, allez-y, Thierry. Non plus? Bon. Non, vraiment, j'insiste. Bah alors, personne veut manger ce que j'ai préparé ou quoi?